Troisième vidéo, comment réaliser la carte avec le petit poussin. Tu prends d'abord ta feuille, tu la plies en deux, bord à bord, comme nous l'avons appris, pour faire un livre. Voilà, tu as plié ta feuille en deux, voilà, maintenant tu vas la plier encore une fois en deux, donc bord à bord. Hop, voilà. Maintenant, tu tiens quelque chose comme ça. Est-ce que tu vois bien? Maintenant, la tête de ton piou-piou sera comme ça. Si l'on soulève, tu vois quelque chose comme ça. Donc, je prends la carte, je la soulève, je la referme. Et à ce niveau-là, je trace un trait pour faire la bouche du poussin. Voilà. Je déplie la feuille. Je replie ici au niveau de la bouche. Et avec une paire de ciseaux, je découpe le bec. J'ai découpé ici. Le trait que tu as fait, c'est ce trait-là. Ensuite, je trace un trait de chaque côté. Un trait ici, un trait ici. Je plie le long du trait. Je plie ici aussi le long du trait. Voilà, je plie bien le long du trait que l'on a tracé. Je fais comme ça. Là, tu vois, nous avons le bec de Titi. J'ouvre son bec, je plie, j'ouvre la partie en haut, je tire avec les doigts et je plie. Et quand j'ouvre, j'ai le bec de Titi. Je vais maintenant dessiner Titi. Je dessine le bec comme ceci. Voilà. Je dessine ensuite la tête toute ronde. Je dessine les ailes. Le ventre. Et les pattes. Voilà. Je dessine les yeux. La queue qui dépasse par derrière. Il ne reste maintenant plus qu'à colorier. Le bec en orange. Le corps en jaune, dans la bouche en rose, et si tu veux, tu peux même t'amuser à dessiner en soulevant un petit verre que mangera ton poussin Titi. Voilà. Miam. Miam. Et ici, à toi d'écrire Titi, de prendre en photo ta carte et me l'envoyer. Joyeuse Pâques !